kleinen VW. Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW. Rebonsoir. C'était Hans avec Mein kleine VW. Comment ça va? Ça va depuis quelques secondes. Du coup, ouais, écoute, Hunter the Gungeon, DJ Ruel. Eh ouais, bah écoute, si j'avais du talent, je serais DJ, mais écoute, j'en ai pas, donc je suis streamer. donc Hunter the Gungeon, hop, j'ai juste switché l'écran très vite fait. Comment ça? Ce titre ne peut pas être conforme à la politique de modération Twitch. Parce que j'ai dit c'est la merde, c'est ça? Bah écoute, le progrès c'est du progrès. Ouais, on va appeler ça comme ça. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur le stream de Wolfenstein, j'avais mis dans les tags personnages méchants. donc tac, oui je me fais rire tout seul. Oui je trouve que je suis désopilant. Donc qu'est-ce que tu veux y faire? Mode studio, tac, et puis gaming, c'est parti. On va prendre la petite manette. Yes, je vais refoutre la musique par contre. Est-ce que ça va être assez fort ça? Ça devrait. Allez, let's go. Donc, Enter the Gungeon. Alors, où est-ce qu'on... J'ai pas quitté à l'endroit où on s'était arrêté, en fait, la dernière fois qu'on a fait du Gungeon, parce que ça fait des milliers d'années. J'ai quand même un petit peu de trucs ici. J'ai ce marchand-là. J'ai lui que j'ai libéré également. J'ai l'orc en bas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vendent, l'orc? Je crois qu'ils vendent que les trucs chers. De toute façon, Big Boy, Chaff Grenade et RC Rocket. Ça sert à que dalle. J'ai l'autre tout là-bas, là, à droite, avec son casque. Tiens, on va le faire chier, regarde. Il est bien, ton casque. Loser. Yep. There it is. You're the worst. Donc ça c'est bon, et on a aussi le magasin comme d'habitude qui est là-bas, le premier magasin qui est ici. On a 4 balles, est-ce qu'on peut acheter un truc? Non, on peut pas. On va se faire un petit run tranquillou avec le marine qui est mon personnage maintenant préféré. D'ailleurs, elle est sortie l'extension ou pas? Non, elle sort vendredi la nouvelle extension. Donc on verra ça à ce moment-là. Le volume a l'air bon, vous allez me dire normalement le volume a l'air bon. Allez, c'est parti. Je vais essayer de me concentrer un maximum. Alors, ce qui est chiant, cette énigme-là n'est pas forcément un souci. À part dans ses formes supérieures où il lâche, en fait, le bout de sa chaîne, là, si je peux dire. Ou quand il se lâche le bout, en fait. Mais sinon, il est pas trop chiant. De toute façon, c'est vraiment très dur de se prendre des dégâts au premier stage, au premier niveau. Faut vraiment le vouloir. Ces mobs-là sont des nouveaux mobs, d'ailleurs. Les espèces de capuches, là. Et c'est des espèces de mages, en fait. Oui, maintenant avec la roulette russe, c'est 10 minutes de ban, alors faites gaffe sur le chat. Si jamais il y a un modo qui peut les déban, ils étaient pas forcément au courant, mais bon, écoute, on va pas quand même. Donc Naito, ça fait un moment qu'il était pas venu, si on le ban 10 minutes. Le pauvre, il a commencé à chialer. Vous avez pas viré Bohort quand même, il va se mettre à chialer et tout. On trouve qu'il y avait pas assez d'enjeux, oui, c'est vrai. Mais... Non, en même temps, il faudrait pas les déban en fait, mais je sais pas, je crois que je suis trop gentil. Quelque part, je suis trop gentil. Donc, on a déjà découvert un coffre, c'est un coffre marron, c'est de la merde, donc on va pas l'ouvrir tout de suite. Ce que j'aime bien faire dans les premiers niveaux, c'est tout visiter au début, et ensuite, uniquement ensuite, ouvrir les coffres selon la nécessité. Donc d'abord les coffres verts, enfin d'abord les coffres de plus grande qualité. Et en tout cas pas utiliser une putain de clé sur un putain de coffre marron, ça sert à rien. Je vous rappelle que dans chaque stage il y a forcément un coffre qui recèle une arme et un coffre qui recèle un équipement. Donc on peut être sûr au moins qu'on va avoir une nouvelle arme en sortant du stage. Hop. Ça tiendrait de moi, ils iraient se faire enculer. Toi Momo, t'es un pragmatique aussi. Nous on est des gentils, c'est pour ça. Ok, vous allez certainement entendre beaucoup la manette parce que j'ai un setup assez particulier au niveau de mes boutons en fait. Un setup que je trouve particulièrement plaisant. C'est-à-dire qu'en gros, je tire avec RB, je recharge avec RT. C'est très très bizarre, hein, je suis d'accord, mais c'est pas orthodoxe du tout, mais ça me plaît beaucoup, c'est super dynamique. Donc je tire avec RB, je recharge avec RT et je dodge avec LB. Et LT, c'est ma map. Donc en fait, j'ai uniquement les shoulder buttons, quasiment, qui me servent. Pour déclencher une blanque, c'est le stick gauche. Et pour utiliser l'objet, c'est stick droit. Donc en fait, j'ai uniquement les 4 doigts qui partent pas des shoulder buttons. Et c'est super agréable en fait, comme façon. Je trouve que c'est beaucoup moins galère. Tu vois, par exemple, là, on a un coffre bleu. On a bien fait d'attendre.
pour utiliser la clé, parce que là on a un coffre bleu quasiment gratos, donc va falloir l'utiliser, tu vois. Et un autre coffre marron, donc tu vois, on a quand même bien fait. On essaiera de voir après si on n'a pas des salles cachées. J'aimerais bien quand même prendre une troisième clé histoire d'ouvrir les trois coffres, ce serait plutôt OP. Là on a la salle du boss. Ok. Là, vous connaissez un petit peu Hunter's Gungeon, où je suis obligé de rappeler toutes les mécaniques parce qu'en fait je parle un peu vite, j'ai l'impression. Ah merde, bon tant pis, c'est pas grave. J'ai perdu mon bouclier, j'ai au moins pas perdu de points de vie, mais bon, ça fera ça en moins pour le boss, mais c'est pas grave. Ça me fait prendre un tout petit peu de retard sur mon économie, mais c'est pas grave. Ah, en plus, regarde, on va utiliser une clé ici, parce que quand on rentre là, lui, il va nous filer une arme. Voilà. Normalement, c'est bon, non? Non, il y a encore des trucs à... Oui, il y a encore des trucs à voir, ok. On a utilisé une clé, mais c'est pas grave. C'est pareil, il va nous filer une arme de toute façon, donc... Je connais pas le jeu, mais je sais qu'il y a une arme. On connaît, d'accord, ok. C'est de la merde, cette salle, dis donc. C'est bien de la merde, cette salle. D'accord. Ok, ah, je vois. Mac Punk Complete. Eh ben, écoute, c'est cool. On va prendre une clé à lui, forcément. Super Space Turtle, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Je crois que j'ai jamais utilisé cette arme. Honnêtement. Donc, on va aller retourner voir Link, là. Il va nous filer une arme, normalement. Je sais même pas si elle est censée être bien, l'arme qu'il nous file. Snowballer, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est cool avec cette arme, c'est que plus tu tires sur l'ennemi, plus ça le ralentit, en fait, ça le freeze. Et ça, c'est pas mal du tout. Je vais aller ouvrir un coffre marron et le coffre bleu. En espérant qu'on tombe sur une arme avec le coffre marron. Yes. Wind-up gun, c'est bien de la merde. Super, génial. Et le coffre bleu, qu'est-ce que c'est? Bionic leg. Je crois que ça nous fait marcher un peu plus vite, non? C'est ça? Fais voir. Oui, ça freeze les boss aussi, Chubby, hein. Movement speed increased. Bon, c'est pas top, mais écoute, hein. On va pas se plaindre. On va essayer juste de voir si on peut pas récupérer une clé avec le boss. C'est quoi? Ça, c'est les Trigger Twins. Ça va pas être trop problématique, mais voilà. Voilà. Évidemment, Russian, toujours le premier sur l'info. Recharge un jour quand même, fils de pute. Voilà. Putain, j'ai pris des dégâts sur les Trigger Twins, quoi. C'est vraiment la merde. Heureusement qu'on n'a pas ce connard de pigeon, parce que j'aurais pété un plomb. Honnêtement, je pense que j'aurais quitté le stream là, maintenant, tout de suite, quoi. Vous, vos gueules. Pas très puissant, quand même, le snowballer, mais écoute. C'est un peu de la merde, en fait, même. Maintenant que j'y pense. On va utiliser cette merde, là. Le wind-up gun, il est vraiment horrible. C'est vraiment une des armes que je déteste le plus. Il fait pas beaucoup de dégâts et il fait cette petite chanson de merde à chaque fois que tu recharges là. C'est insupportable. Voilà, lui il pète un peu son câble. C'est pas... Au moins le wind-up gun fait pas mal de dégâts. Ils l'ont amélioré depuis le DLC quand même. Voilà, un peu de câble. Voilà. Écoute, tu vois, avec un tout petit peu de concentration, ça passe. Deux hégémonies crédits, et bah dis donc, vous êtes généreux, bande d'enculés. Et une caisse. Super. Vous voulez voir ce que c'est, cette arme de merde? Ça tire des enclumes. C'est de la merde, c'est une arme que tu dois maintenir pour tirer. C'est de la merde, c'est bien de la merde. Bah écoute, tant pis, hein. Le fameux pigeon, non mais putain, ce pigeon de merde. Bon. Et bah écoute, ça commence vraiment pas ouf. Ça commence vraiment pas. On a que des armes de merde. On va essayer de voir si on peut, écoute, se servir des armes de merde pour vider au moins les salles classiques. Parce que, oh là là, ravi. C'est une enclume, ça doit faire mal. Non, ça fait mal, hein, mais les armes que tu dois maintenir, c'est vraiment, vraiment le. C'est vraiment, vraiment la hesse, hein. Ouh là là. Nanicolet. Oh putain de sa mère. Ok. Bon, ça one shot déjà les... Oh merde. Ouais, ça one shot pas mal de trucs, j'imagine, mais c'est bidon quand même. J'ai laissé s'échapper un truc là, non? Master Shooter, mais là, mais oui. Non mais je suis tellement balèze, mon gars, ce jeu là, mais c'est trop facile même. Allez, je défonce tous les boss ce soir. Tous. C'est quoi ce bruit? C'était quoi? C'est la manette qui a vibré contre le micro. Vous avez entendu le bruit ou c'était que chez moi? C'était chelou, ça a fait... Mais super fort.
Non, mais c'est, je pense que mon voisin est en train d'essayer de drill jusqu'à chez moi. Ça arrive. Hop, vos gueules. Voilà. On va, tiens, je vais utiliser le snowballer pour me charger les ennemis de base, tiens. Comme ça, on va être tranquille. Voilà. Il est pas mal pour le trash, je dis pas, il est pas mal, hein, mais pour les boss, putain, c'est une catastrophe, quoi. Si tu défonces pas tous les boss, je me désabonne. Putain, il faut arrêter avec ça, par contre, parce que moi, ça me fait stresser. Hein. Même si je sais que vous déconnez, ça me fait stresser pour de vrai. Hein. Faut pas me faire stresser, moi. Ah, une clé gratos, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est fort agréable. Hop, vous, vos gueules. Ça a niqué la Iron Maiden en un coup, ça c'est bon, on fait juste gaffe au retour des munitions. Pekeb. Ok, complètement freeze, voilà, impeccable. J'espère qu'on va avoir un distributeur de vie dans, chez le marchand, mais à mon avis non. C'est que je crois au premier stage que t'as le distributeur de vie, ou alors c'est super rare d'avoir sur le stage d'après. C'est un peu dommage, mais bon. Sous le stress, Russian, une icône de violence. Ah, je sais pas si on dira une icône, je ne suis pas un dieu, du moins je ne crois pas. Ah, si, quand je suis nerveux, ouais, je deviens. J'ai pas beaucoup de patience en fait quand je suis nerveux, donc. Voilà, les câbles. Gueule, ils sont chiants ces mobs là, parce qu'en plus, déjà leurs munitions rebondissent, donc c'est une catastrophe. Tu sais, tu te fais niquer dans le dos en permanence, genre, ah ah, je les ai évités, hi hi hi. Mais en fait, non. Et en plus, il se sépare en plusieurs... Oh putain, encore ! Ce qu'il sale de merde ! C'est vraiment un run pourri que j'ai, là. Genre, le dernier run que j'ai fait hors caméra, hors stream, ça s'est super bien passé. Genre, je suis arrivé au niveau de la forge, il n'y avait pas de problème, j'ai réussi à niquer pas mal de trucs, etc., etc. Mais... Je sais pas si... Mais là, ce run-là, là, c'est vraiment catastrophique, quoi. Alien Sidearm, ok. Il y a une clé, il n'y a pas de distributeur de vie, mais de toute façon, ça m'a rendu toute ma vie, donc c'est tranquille. J'ai entendu des gens, non. Entendu des gens. Nani Collet. Tac. Bon, ça doit être chez moi. Ouais, je pense que tu deviens fou, toi aussi. Écoute, on va échanger cette merde. Et cette merde aussi. Et hop. Voilà, file-moi un truc bien là. C'est Momo, il est sous ton lit. Tu fais un AVC, tu commences à entendre des voix. Ok, qu'est-ce que c'est? Le 38 spécial. Je crois que c'est bien de la merde, le 38 spécial. À moins que je fasse erreur, je crois que c'est vraiment bien de la merde. Je sais pas ce que... Je crois, ouais, que c'est bien de la merde. Il a une bonne cadence de tir, il recharge vite encore, j'ai du bol, mais... Oh, ils sont chiants. Fais pas tes trucs, fais pas les lianes, la moitié. Fais pas... Ok, c'est bon. C'est bon, il est con. Moi, je me branle, j'entends Momo qui rigole. Oh là là. Ok, ça va, les fantasmes homo-érotiques. Oui. Impeccable. Ta bite, elle fait un bruit rigolo. Vous pouvez vous calmer, quand même, les gars, là. Rissienne, il va se faire souhaiter en direct. Bah, je les attends, les mecs. Ah, je te préviens, par contre, si je me fais souhaiter, moi, mon gars, je réponds direct. Hein. Moi, je me laisse pas faire. Hein. Il va y avoir des morts. Hein. Si je me fais souhaiter, il va y avoir des morts. Ah, ça, c'est bien, par contre. Il y aurait pas une entrée secrète dans le coin, là. On verra après. On verra après. On va le laisser là pour l'instant. On verra après. On sait jamais s'il va y avoir un coffre rouge ou noir dans les salles d'après. Ok, donc ça c'est le boss. Est-ce qu'on a tout vidé là? C'est tout ce qu'il y a? Ah non, c'est bon, voilà. Je me disais aussi, la map était minuscule, mais... Ok. Putain, le 38 spécial, quoi. C'est vraiment la S, hein. Le prochain boss, je sais pas qui ça va être, mais si c'est autre chose que la Médusa, là, à moitié, ça va être vraiment, vraiment la guerre. La guerre. Oui, la guerre, ouais. C'est quoi? Je vais me charger ça au max. Ah bah, on est déjà au max. Bah écoute, ça, voilà. Ruru souhaité, il y a toute la brigade qui meurt. Bah c'est-à-dire que comme je sais comment ils marchent maintenant après avoir joué à SWAT 4, tu vois. Je connais leurs points forts et leurs points faibles. Sérieux, y a pas de salle secrète là? Putain, je sais jamais les reconnaître, ces putains de salles secrètes là. Si c'est Satine de SWAT 4, il est tranquille. Ah oui, bah je les entendrai arriver avant. Voilà, hop. Voilà.
Voilà. Oula. Voilà. Et bah regarde, une clé gratos en plus, j'ai bien fait de finir avant. On va aller prendre ça. Un conteneur de cœur, du coup ça me fait de la vie en plus, c'est pas mal du tout. C'est positif en tout cas, je sais pas si c'est excellent mais c'est positif. Et ça c'est quoi, plunger? Je crois que c'est de la merde, oui c'est... Écoute, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire comme on peut. Est-ce que je prends le Alien Sidearm? Allez. Allez, on est des fous, on dépense. On dépense sans sans compter. Ah oui, si vous faites ban par contre là... Oh putain, c'est la Mokonda. Bon. On va faire qu'est-ce qu'on peut. On se concentre sur les munitions et demi. On lui tartine la gueule. C'est de la Mokonda. Putain, ce flingue est tellement pas fait pour la Mokonda. Allez hop, Alien Sidearm. Et merde. J'ai pris les dégâts. C'est de la merde ce flingue aussi là. Attends. Tant pis. Faut niquer ça assez vite, sinon il a un buff l'ennemi. Oh là 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 là, je prends tellement de dégâts, c'est une catastrophe. Il va le manger? Il va manger. Par contre moi j'ai mangé. J'ai déjà pris 3 points de dégâts. C'est tellement trop. S'il te plaît, bute-le. Je t'en supplie. Allez merde. Oh là là, oh, la catastrophe. Mec, j'ai que des guns pourris, j'ai aucun réflexe. Oh là 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 là. Avec mes pauvres flingues et l'autre qui fait de la musique là, touti, c'est le saltimbanque quoi. Oh, je vais crever à la Mokonda, écoute, hein, ça mettra fin à mon calvaire, hein. Franchement, c'est tout ce que je demande. Moi, franchement, là, j'accepte la mort. Hein. À ce niveau-là, j'accepte la mort, mais direct. Il me faire ken en plus. T'es balles à blanc, j'ai pas envie d'utiliser des blancs maintenant quoi, je suis désolé. Ça me ferait vraiment chier quoi. Ah voilà. C'est pas grave, franchement, je préfère crever là, quoi. Honnêtement, je préfère crever là. Je voulais pas continuer plus longtemps avec ces armes de merde. C'était catastrophique. C'est quoi? On va repartir avec le Marine encore une fois. On va se refaire un petit run vite fait avec le Marine. En espérant juste qu'on ait les meilleurs flingues. Le Marine est vraiment le meilleur. Juste pour son buff, en fait, il a un buff qui permet de limiter le spread des munitions. Et rien que ça. Allez. Je me suis dit, bah merde, j'ai pas eu d'armes. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'allais aller à main nue. Je crois que je suis en train de faire un AVC en fait. Je sais pas comment ça fait un AVC. Ça, moi, à chaque fois que je pars du principe, à chaque fois que j'entends je vais faire un AVC, je vois une crise d'épilepsie, mais c'est pas ça en fait. Voilà. Impeccable. Je vous dis peut-être au revoir ou à tout de suite. Arrête d'essayer de te suicider, mec. Putain, c'est pas possible. C'est quoi ça? Bullet time. C'est de la merde. Bon bah écoute, c'est pas grave. On va prendre ça quand même. De toute façon, l'autre on l'utilise pas donc. De toute façon, j'utilise quasiment jamais les objets. C'est peut-être ça aussi qui me fait défaut. Putain. Ils sont où ces connards? Là. Et putain, il est chiant celui-là aussi. Nique ta grosse race. Voilà. Merci. Avec insistance. Nique ta grosse race avec insistance. Hop. Oh là 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 là. Ils sont chiants eux aussi. Ils sont tous chiants là, tout est chiant là ce soir. Wolfenstein est chiant. Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est la croix rouge, c'est ça? C'est les deux putes là, ouais, ok. Si jamais on a une grosse merde, on peut retourner dans cette salle là et ça va nous rendre tous nos cœurs instantanément. Ou 3 cœurs ou 2 cœurs, je sais plus, mais ça rend énormément de vie. Donc on va garder ça de côté quand même. Voilà. Impeccable. Oh là là, j'ai failli me prendre celui-là. J'ai encore perdu mon bouclier hein, dans les premiers niveaux, à chaque fois de toute façon. Hein. Ce bouclier ne reste jamais très très longtemps. Ok, coffre bleu, c'est pas mal. C'est pas mal, un coffre bleu, c'est pas mal. Tant que c'est pas un coffre marron, ça va, tu vois. Non, ça fout de la vie. Je crois pas, la dernière fois, j'avais 5 emplacements de vie et ça m'a pas tout redonné. Donc... Pekeb. Ok. Oh non, je baille. Ça fait une semaine que j'ai pas baillé. C'est bizarre, je suis désolé. Pas très poli, mais... Le mec, il rote au micro, et les mecs, ils pètent pendant les streams, mais le gars, il s'excuse parce qu'il baille, quoi. Oh, n'importe quoi, la méga forge, ça a vieilli, hein.
Donc lui, il nous file de la thune si on lui lâche des flingues, mais pour l'instant, on a rien à donner. Heavy Boots, c'est de la merde. Peut-être qu'on va prendre une clé. On verra si on prend une clé ou pas. Pour l'instant, on va juste clean le floor. Let the bodies clean the floor. Ça fait quoi, c'était... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, mon setup de manette, il est trop trop bien. Je me gourre jamais. C'est trop bien. Je voulais juste voir ce que ça fait comme effet l'objet qu'on a, mais écoute, on verra plus tard, tant pis. Hein. Prends la fronde, toi qui aimes les armes où il faut charger. Ah mec, c'est une catastrophe. Laisse tomber. Hein. Une arme à charge, moi ça me fait me chier dessus, mais en permanence, et pas positivement. Je sais, je vois tous les gens là sur le chat qui se disent « Waouh, se chier dessus, j'adore ça !» Mais là non, là franchement, c'est pas positif du tout. Je reviens d'une run sur Roar 2 et j'ai enfin fait une bonne run que j'ai pourrie pour débloquer le Merc. Ah. Peut-être qu'on refera des runs sur Risk of Rain 2 d'ailleurs. Cette semaine ou plus tard. Parce qu'on s'est vraiment bien marré la dernière fois, c'était vraiment agréable. Vraiment bien le jeu. Et j'y ai pas rejoué d'ailleurs depuis hier soir, hein, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais ouais. Carrément. Je valide. Bon du coup, on va prendre ce coffre là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cluster time? Oh putain, encore une arme. C'est chiant, les équipements à activation comme ça, c'est vraiment insupportable. Il n'y a jamais vraiment d'objet qui est ultra utile de ouf. À part peut-être l'Elder Blanc, mais et encore. Ça, c'est ça que je veux. Fille-moi un coffre en rab. Fille-moi une arme cool. C'est quoi? Je crois que c'est de la merde, mais je sais plus très bien. On va voir ça au boss. Allez, go. C'est parti. Et putain de boss de merde. Et voilà, j'ai pris un point de dégâts. Non, ça va, il est pas mal. Non, ça va, il fait pas mal de dégâts au moins. Il fait chier ce boss. Mec, sur mes runs à moi, je l'ai quasiment pas croisé du tout. Et il faut que je stream. Je suis sûr que le jeu, il sait quand on est sur OBS ou un truc comme ça. Parce que c'est vraiment beaucoup trop bizarre. Hein. L'Elder Blanc, tu disais hier que tu kiffais ça. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis que les équipements à activation, c'est de la merde, à part le Elder Blanc. Je sais pas, j'ai lâché mon arme, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait. Voilà, allez, ferme ta gueule. Ok. J'avais mal compris, désolé. Bah voilà, donc quand on sait pas, on ferme sa gueule. Je suis désolé. Allez, funéraire, t'es banni. Allez, hop. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Non, allez, hop, hop. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible, j'ai que des items de merde. Amulet of the Pit Lord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Prevents all fall damage. Waouh, super. Top. Génial. Waouh, un cœur. Top. Génial. Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que j'ai de plus là qui pourrait me décevoir? Putain. Allez, bah écoute, on va faire le prochain floor uniquement avec le Marine Sidearm. Ça part super bien, ça part vraiment super bien ces petits runs de Hunter the Gungeon là. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, peut-être que je vais en faire pendant ce stream ce soir. Hihihi. Selon ce run en fait, si ce run est assez long, je coupe après ce run. Et si ce run n'est pas assez long, je coupe pas après le run. Ouais, nous on est déterministes comme ça à la Megaforge. Je peux être modo à la place de Liadar, il est un peu con. A shrine to a forgotten bullet who laid down his arms. Will you? Non, parce que là, faut laisser une arme et j'ai pas envie de laisser tomber la seule arme que j'ai. Donc ce sera un non pour moi. J'aime ton ambiance, j'aime ton univers, mais pour moi, ce sera un non. Je suis désolé. Voilà, ferme ta gueule. Ça, c'est bon. Ah, il a quoi? Impressionne-moi. Lui, il prend que des clés. Voilà, tous ces trucs coûtent des clés. Et en plus, c'est de la merde. Donc non... Bouncy Bullets, c'est pas ouf non plus. Lowercase R, c'est de la merde. Putain, la vache. Qu'est-ce que j'ai vraiment pas de bol, quoi. Qu'est-ce que j'ai vraiment pas de chance. C'est incroyable. Oula, y'a Yadar qui est en train de bannir Momo. Ok, ok, ok. Doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Oh là là. C'est de la merde, c'est de la merde. Ce niveau, c'est de la merde. C'est quoi, regarde. Et merde. Normalement, je prends pas de dégâts. J'ai fait le petit singe. Dès que je panique, je fais le petit singe et ça aide.
Aïe, c'est bon. Ok, impeccable. Alors, ici. Je sais pas pourquoi il y a aucune run là depuis le début que je sens bien, tu vois. D'habitude, il y a au moins une run où tu dis tiens, ça part bien. Et après, la mise à jour là, qu'il y a eu de Dungeons & Dragons, ça arrive souvent, tu vois, que tu te dis tiens, elle est cool cette arme, ça va être bien, ma run elle va être cool. Là, depuis le début, c'est la grosse merde sur tout ce que j'ouvre, quoi. Sur tout ce que j'entreprends. Ce qui est quand même. C'est assez incroyable, quoi. C'est miraculeux, même. Si, je m'appelle Scholar et bienvenue dans Jackass qui essaie de se suicider depuis tout à l'heure. Vous avez vraiment tous des soucis, hein. Ah bah c'est bien, regarde. J'ai buté l'ennemi sans devoir buter l'ennemi, c'est parfait. Ça, je vais prendre directement. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas encore. Mais c'est pas possible. Mec, comment je fais pour pas avoir de bol à ce point-là, quoi? Mais mec, depuis tout à l'heure, je dis que c'est de la merde, les trucs à activation. Non mais c'est pas possible, non mais je vais finir par même pas le plauder la partie quoi, c'est... Attends. Hop. Ok. Oh là, la concentration mais du joueur français mais qui dépasse l'entendement, voilà. Le mardi c'est toujours la merde. Bah je sais pas, sur Wolfenstein ça allait non? On a pas autant mangé que ça quoi. Là, statistiquement c'est la merde. Ok, attends. La concentration de l'artiste principal. Lui, il ferme sa gueule, voilà. Toi, pareil. Un chargeur, ça suffit. Oh là là. Ok, c'est bon, on est bon. En plus, c'est... Attends, tu sais quoi, je vais utiliser mon arme, là, un peu, parce que... Voilà, évidemment, c'est un peu rapide, c'est un peu plus rapide, pour le coup, là. Voilà. Si, elle est pas mal, cette arme, en fait. Pas du tout mal du tout, hein. Pas mal du tout, hein. Le mardi en général, c'est la grosse journée de merde où t'as pas de chance. C'est vrai, t'as pas tort en même temps. C'est vrai que t'as pas tort, mais écoute. D'ailleurs, on a passé, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on a passé un palier sur Twitch des 70 abonnés. Et si on y reste pendant un moment, on devrait avoir un nouveau slot d'émote. Donc voilà, petit fun fact, je trouve. Et bah écoute, regarde, ça m'a remboursé ma clé et ça m'a filé une machine pistole qui synergise avec, je crois, pistol machine. Ça fait quoi? D'accord, ça charge les balles. Ok, c'est pas mal. Ça par exemple, tu vois, c'est pas mal. Ça peut permettre de carry run, ça. Carry run, 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 carry run, run. Ouh, mon amour est mort. Hop. Ça, c'est pas trop mal. On va l'utiliser pour le boss, ce truc-là. Ça ferme ta gueule, toi. Voilà. Après, je dis pas ça, merde, je dis pas ça que pour que vous vous abonniez, hein, ce serait dégueulasse. On fait pas ça ici à la méga forge. Mais écoute, on sait jamais. We never know when you're gonna go. C'est qui a mangé? Naito qui s'est mangé une balle dans la tête. Mais, et il parle plus pendant 10 minutes. Personne le débanne du coup, hein, pour le coup. Hein. Tout à l'heure on l'a fait, mais maintenant c'est fini. Hein. Plus de magnanisme. On ne négocie pas avec les terroristes à la méga forge. Ok, ça, c'est bon. Ouh, Mr. Christian Jr. Ça, c'est pas mal du tout, par contre. Pas mal du tout. Donc, on va retourner au marchand. Lui acheter de la vie. Il a que ça. Et bah, écoute, s'il a que ça, tant pis. Bouncy Bullets. On n'a pas assez pour acheter Bouncy Bullets. Mais on a assez pour prendre une clé pour le prochain floor. Ça va être un investissement sur le futur. Et let's go pour le boss. J'espère que je vais au moins passer le boss du niveau 2 parce que sinon ça va pas être possible quoi. Ok, bah c'est cool, c'est la gorgone. Ça devrait être bon. Normalement avec la gorgone c'est assez difficile de se prendre des balles. À part évidemment sur ce pattern là, mais écoute, c'est pas le pattern le plus chiant. Hop, on esquive ça. On est pile au niveau du croisement des deux patterns, donc du coup c'est plutôt agréable. Hop. Hop. On prend ça aussi. Gorgon, c'est vraiment l'ennemi à avoir sur le niveau 2. Elle est extrêmement facile et c'est génial. Impeccable. Prends ça. Ça nous recharge notre... Voilà. Et bah voilà, ça s'est plutôt pas mal passé.
J'ai combien de balles? 32 balles. On va peut-être essayer vite fait de voir si on peut ouvrir passage secret là. Non. Non plus. En bas. Non plus. Et ici. Mais je sais vraiment pas comment les reconnaître, c'est dingue quoi. Là, ok. Ah, nice. Eh bah écoute, j'ai envie de dire c'est plus ou moins une super acquisition ça, regarde. Bon, Little Bomber c'est de la merde, mais tu sais quoi, regarde en plus. On va retourner au marchand. Ah bah non, non je suis con, c'est pas... Non mais oui, il y a plus le mec qui revend les trucs. Bon bah tant pis, c'est pas grave, on va garder Little Bomber avec nous, juste pour vider les salles, parce que c'est de la merde. Donc allez hop, faisons ça. J'ai toujours peur que les trucs où tu récupères les armes après un boss soient des mimiques. Mais tu sais qu'au fur et à mesure, je l'oublie, ça. Et je l'oublie, moi, je me souviens surtout des portes, enfin des murs qui deviennent des mimiques. Oh là là, c'est tellement de la merde, cette arme. Voilà, ferme ta gueule. On a de la vie un peu partout en plus. Tu sais quoi, celle-là, on va la récupérer pour plus tard. Voilà. Ça one-shot à moitié, ça, non? J'ai l'impression. Si on observe ça avec magnanisme. Magnanimité. Comment on dit? Magna. Assi bonanga. Oula. C'est mieux en jaune. Eh bah écoute, Pekeb. Les murs mimiques, c'est le shaitan. Ouais. Les mimiques Mati, ouais, ta gueule par contre. Et allez, prends des dégâts, Russiane, sur un mob de base. Ça c'est une bonne idée ça. Ça le run il va bien avancer à prendre des dégâts de merde. Bravo. Tes viewers, ils vont partir, tu vas perdre des subs, Russian, hein. Non, mais je te prends. Non, mais je dis ça comme ça, mais... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, cette arme-là, sur ce mob-là, va être pas mal du tout. Parce qu'il y a pas mal de knockback. En plus, ce mob-là, il est con, et il aime pas du tout les explosions. Du coup, ça me plaît. Alors, on peut même peut-être faire un petit rebond, peut-être, non? Non, pas du tout, ça m'a pété à la gueule. C'est pas de rebond? Je croyais. Vas-y, ça fait des rebonds, c'est bien ça, je suis pas fou. Merde. J'arrive pas à faire de rebond. J'arrive pas à faire de rebond, c'est pas grave. Hop, ta gueule. Voilà, il m'a rebondi dans la gueule. Par contre, cette fois-ci, top délire. Dans ta race. Arrête. Voilà. Et là, il va péter tout seul. Tranquillou bilou. Toi, il est pas mal, remarque, ce flingue pour vider les floors. Vu qu'il fait pas mal de dégâts, faut juste être assez patient en fait. Mais sinon, c'est pas mal. Attends, je reviens mon calbut parce qu'il est en train de me serrer une couille là. Mais attends, il y a ça que j'ai pas ouvert aussi là. Le petit cocu. Quand j'ai soif, je me craque un cocu. Pas vous? Je me craque un Randy Pitchford. Alors, qu'est-ce que c'est? Crescent Crossbow, c'est de la merde. Mais il y a un autre marchand ici, c'est ça? Eh ben, encore toi, putain. Brick of Cash. C'est bien ça ou quoi? Je me souviens même plus. Comment vous faites pour vous coincer la couille? Mais tu sais, quand t'as la peau de la couille qui passe l'élastique de ta cuisse, ça t'arrive jamais, toi, de coincer la couille. Et puis tu peux me tutoyer, hein, tu sais. Ah, toi, ta gueule. Eh bah, écoute, impeccable. Oui, mon amour est mort. Ouais, ça pique de ouf. Hop, on évite ça. On va leur balancer une pour deux, là-bas. Ferme ta gueule. On va rester planqué là quelques secondes. Hop, ta race. Et voilà, regarde-moi cette tactique. C'est la tactique du gendarme. Hop. J'ai flippé une table juste parce que c'était stylé. Tu vois, là, la run, par exemple, bah, elle s'améliore. Ça devient de mieux en mieux. Comme quoi, il faut vraiment aller chercher les salles secrètes parce qu'il y a des moments où ça peut te sauver une run. Là, tout ce qu'on a récupéré dans la salle secrète, là, c'est vraiment, vraiment avantageux. On va attendre qu'il s'ouvre encore une fois, la petite huître là. Pim. Voilà, il tarasse. Alors attends, il y a un truc philosophique de Momo là. J'ai souvent les couilles qui collent aux cuisses, mais je me les coince jamais. Les couilles qui collent aux cuisses. C'est que là, ça. Voilà. Impeccable. Rien que d'en parler, j'ai mal. Bah oui, écoute. C'est ça le désavantage d'être un homme, hein. Grosse couillasse. Putain, je prends les dégâts de merde là. Casse-toi, toi. Il est où? Con de chat là. Allez. Gigue de là, trou du cul.
Oui, mon amour est mort. Et allez, il a déphasé pile quand il s'est pris la munition en plus, là. Ce schlag. Ça m'est arrivé dans la gueule, ça, en plus. Ok, lui, c'est le vrai boss. Ça, c'est le vrai mob. Voilà. Encore ? Allez, encore. C'est pas grave. Je suis chaud. Ok, c'est bon. Je reviens 30 secondes devant le PC. Premier truc que je vois, Momo qui dit que c'est cool, colle aux cuisses, impec. Bah, écoute. Hey, les sujets de discussion ici, c'est quelque chose d'important, hein. Tu sais, c'est comme l'émission pour les mamans, là, les comment ça s'appelle ? Maternelle ? Non ? Les maternelles ? C'est pas ça ? Je crois que c'est ça, le nom. Et là, c'est pareil, mais sauf qu'on parle de trucs de mecs. Donc, les couilles, la teubie, les flingues, les bagnoles, les trains. Hop, voilà, nique ta grosse race. On va attendre que les sports se dissipent un peu, parce que là, ça va pas être jojo. Les paternels, du coup, ici. Ouais, mais c'est même pas vraiment paternel, c'est juste voilà. Les connards, en fait, quelque part. Ah, ça, c'est pas mal, par contre. Le shock rifle, je crois qu'il est vraiment pas mal. On va toujours utiliser flash ray, quand même, pour vider les salles. Mais ouais, l'autre, il est vraiment pas mal. Ça va normalement se débarrasser de quelques mobs. Voilà. Impeccable. On reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Non, par contre, faut crever un jour, par contre, toi. Voilà, meurs un autre jour. Voilà, merci. Hop, et voilà, on est full vie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a plus que quelques salles à visiter, mais là, pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. Hop, t'as ta gueule. On va niquer lui avant. Voilà. En plus, ça traverse les ennemis. Est vraiment bien, ce flingue-là. En tout cas, pour les salles, il est vraiment pas mal. Pour les boss, j'imagine que c'est pour top jojo, mais... Pour les salles, il est vraiment cool. Donc ça, c'est cool. Où est-ce qu'on a... Voilà, en bas. Normalement, on devrait pas tarder à avoir fini quand même à libérer tout le coin avec toute la démocratie qu'on a, là. C'est peut-être lui, le boss final. Enfin, c'est le vrai... La vraie copie, voilà, c'est ça. Ok, impeccable. Hop, en plus, ça nous recharge notre flingue. On est parfait, là. Ça, y aurait pas un petit... Non ? Non. Bon. Pas grave. On a ouvert un coffre. Ouais, on a ouvert un coffre, mais pas deux, là. Donc, il nous reste encore une salle de coffre, mine de rien. Pas mal. Pas mal du trou. Toi, ta gueule. Tout en douceur, tu vois, je flow like water, là. Je flow like water, sting like a bee. I'm like a bird, I'm on a way. I don't know where I'm going. Voilà, regarde-moi ça, concentration à toute épreuve. Une autre, ah bah tiens, regarde, Space Turtle, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une petite tortue qui... Une petite tortue avec un scaphandre ! Regarde ! C'est une toute petite tortue avec un petit scaphandre. Oh, c'est génial. Non, j'avoue, là, par contre, c'est trop kiki. Là, c'est complètement kiki, là. Complètement kiki, de ouf. Si je me gourre pas, je peux pas crever en tombant. Ouais, je peux pas crever en tombant. Du coup, on peut essayer d'aller tout au bout chercher je sais plus quoi. C'est pas le Prime Primer qui est au bout, mais c'est un autre truc dans le genre. Est-ce que je peux... Attends, hop. Calme-toi. Là, loupé. Pas grave. On peut essayer. C'est cool, ça nous fait rien perdre. Ok. Ah oui, c'est les rails invisibles, d'accord. Faut peut-être prendre celui-là, non ? Attends. Ah, d'accord. Donc les rails sont invisibles uniquement pour tout ce qui est rallié. Genre Khaled, en fait. Attends, si on va à l'arrière. Ah, donc le rail commence ici, d'accord. Ben, on va aller tout au bout, on verra bien. Ok, donc ça s'arrête là, très bien. Mais comment on fait pour descendre et monter directement dans celle d'après ? Je comprends pas. Ah, fuck ! Bon, bah écoute, ça me casse les couilles. Donc on va plutôt se barrer, tiens. Tu sais quoi ? Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. On va se barrer d'ici. Et on va visiter la dernière salle, plutôt. Mickey ! Mais quoi ? Braque, Vazarelli.
J'aime beaucoup les trois frères. Oh, elle tire avec un petit flingue. Oh, c'est génial. Oh, c'est le meilleur compagnon du coin. Braque, Vasarely. Bah écoute, on est plutôt pas mal. On a trouvé deux salles, on a trouvé deux coffres, il nous reste une clé en rab, il y a pas mal de cœurs ici. On peut pas encore acheter le Crimson Crossbow, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là? Barlet, Brick of Cash. Bah là, je crois que c'est de la merde. Brick of Cash, je sais plus si c'est bien ou pas. Secret of the Mason, c'est quoi Brick of Cash? J'ai envie de voir ce que c'est. Ça m'a coûté une clé, mais... Reveal Secret Doors. Oh, putain, c'est bon ça! Ça révèle les portes secrètes. Comment ça marche? Comment est-ce que t'as marchandando? Ça fait quoi? Ça les marque sur la carte? Qu'est-ce que ça fait? Ah, d'accord, ok. Oh, c'est sympa, mec! Je crois pas en avoir vu, non? Voilà, impeccable. Et du coup, ça reste quand même, c'est pas qu'une fois, on est d'accord? Non, oui, c'est bon, je l'ai encore. Ok, bah écoute, il y a qu'une seule salle secrète par floor, je crois. Et te suit en faisant fiouf. Mais oui, elle est géniale, elle est vraiment trop bien, ce truc, vas-y, voir. Oui. Ok, ça me fait beaucoup rire, La petite tortue. Là, il n'y a pas l'autre entrée. Ouais, je crois qu'il n'y a qu'une seule salle secrète par floor, hein. Allez, on se casse. En plus, on a le Mr. Christian Jr., donc normalement, ça devrait être plutôt agréable au niveau des boss. Et on a une petite tortue avec nous. Donc lui, il est relativement chiant. J'ai qu'une seule en plus. Comment on dit? J'ai qu'une seule blanque. Comment est votre blanque? Ok. Tant que la petite tortue tire dessus, on est tranquille. Waouh. Voilà. Regarde là, comment elle est brave. Voilà, impeccable. Ah, j'en ai pris une. C'est pas grave. On reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi, je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Recharge. Reload. Voilà. C'est bon, on va le niquer. C'est pas un problème, la petite tortue. C'est elle qui fait tout le boulot, plus ou moins. D'ailleurs, on pourra même se permettre de se rapprocher. Voilà. Pour qu'ils prennent tous les dégâts dans la gueule. Parce que du coup, en fait, les armes... Enfin, les planètes qui tournent autour de toi... te permettent voilà, d'éclater les mecs qui se rapprochent un petit peu. Elle est trop bien, cette petite tortue, mec. Comment elle déboîte. J'adore son style, en plus. Elle est street cred de ouf. Donc, eh ben écoute, on a toute notre armure. Et on a le Colt 1851 qui est complètement stylé. Qui tire très vite. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, on a encore du sang dans la banque du sang, là. Donc, c'est parfait. Bon, écoute, elle est trop chouki et courageuse. Chouki, dis donc. Chouki, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Alors par contre, il va falloir se concentrer un petit peu sur ce floor-là, parce que ça, on passe un niveau, là, directement. Là, ça va déconner beaucoup moins vite, beaucoup moins longtemps. Do it faster, make it better. Working harder, make that stronger. Toi, ta gueule, voilà. Faut juste rester concentré. Il y a juste à rester concentré, on est tranquille. Hop, ça c'est des balles zombies qui reviennent. Je crois que ça s'appelle des hollow points, genre des têtes creuses. Parce que littéralement, c'est des zombies, donc ils ont les têtes creuses. Et je dois en buter, il me semble, 40 ou 50 pour le chasseur qui est resté à la brèche. Donc du coup, on va tous les éclater là, mais je crois que ça compte que pour un. Genre 4 compte pour un, enfin. Chou et Kiki, ça fait Chouki. D'accord, ok, je comprends. Ça fait un genre de mot valise, je vois. La valise RTL, quoi. Ok, nique sa race, voilà, impeccable. J'ai pas mal de thunes, 126 balles, c'est vraiment pas mal. Donc au prochain marchand, on va pouvoir se faire plaisir à un niveau post-rythmique, post-rock. Les mots valises, oui, un mot valise, comme par exemple en allemand. Et bah mettons le mot Panzerschreck. Panzerschreck, il me semble, si je dis pas de conneries, mais même ce sera juste un exemple, ça veut dire, je crois, cauchemar des chars ou un truc comme ça. Et donc, c'est un mot valise, parce que c'est un seul mot formé de plusieurs mots. Et en allemand, ils ont ça, en finnois, ils ont ça aussi, dans pas mal de langues basées sur des langues ouraliques, donc de l'Oural, y a ça, genre le hongrois, je crois qu'ils ont ça et tout. Voilà, c'est ça un mot valise. Les Allemands, ils ont ça, ils ont les Allemands, ils font n'importe quoi avec leur langage, ils ont
En fait, des mots qui peuvent finalement être des phrases. Genre, je crois qu'un des mots les plus longs de la langue allemande, ce serait camion de répartition des biens immobiliers de la ville selon machin et tout. Et en fait, ça fait un seul mot qui fait 70 lettres, quoi. Voilà, c'est bon, on est bon. Voilà. Il y a un mini-jeu là, c'est cool parce qu'on a plein d'argent, du coup on va pouvoir choper le mini-jeu, c'est 38 balles, allez parfait. Allez, on se concentre. Là on est bon, bip, voilà. Celui-là là, tout au-dessus là, faudrait que je puisse le niquer. Oh comme ça, ça devrait être bon, attends. Est-ce qu'on peut... Oh yes. Yes, ça c'est bon. Lui, eh ben écoute, on va essayer de faire pareil, ça demande de la précision. Yes, impeccable. Allez, il me faut le dernier là. Et le dernier... Je sais pas comment je vais faire. Comme ça, je vais pas l'avoir. Comme ça, peut-être. Est-ce que comme ça, je peux l'avoir, tu crois? Si genre, je fais... Oh, putain. Oh, putain, il est bon, le Russian. Oh, putain, il est bon, le Russian. Le Particulator, je crois qu'il est pas mal, en plus. Master Shooter, ah là, merci. Franchement, là, ah, là, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être votre Master Shooter ce soir. Ça fait quoi? Oula, ouh d'accord, ok, c'est un BFG quoi. Ouh là là, ça a l'air pas mal du tout ça. Ouh, et j'ai pas de clé. y a pas le Book of Cash qui va me montrer, non? Ok, bon, écoute, le prochain truc c'est qu'il va falloir qu'on cherche une clé. GG Ruru, merci beaucoup, oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je ne suis que votre humble serviteur. Vos gueules, crevez vos rasous, voilà. Hop. Ça c'est tranquille. Pour l'instant on a beaucoup de chance au niveau des mobs. Genre on n'a pas les marteaux qui te suivent. On n'a pas tout ça. Enfin après c'est surtout dans la forge où t'as les marteaux qui te suivent. Mais ah merde. Mais c'est vrai que là pour l'instant on a pas mal de bol hein. Du coup on va pouvoir utiliser ce flingue là dans les niveaux normaux. Enfin contre autre chose que des boss. Vu qu'on est un peu pété de technologies diverses et variées. Tu sais quoi, on va utiliser le zap là, celui-là là. Je pense qu'il va être pas mal. Oh yes. Oh yes. Oh la puissance du port du Havre, mon gars. Putain, il fait un de ses tonnes en plus, plein de bases, quoi. Pekeb. Oui. Quoi, oui? Parce que j'ai dit Havre. La culture de la betterave. T'entends le petit bruit qu'elle fait quand elle tire? Piou, piou, piou. C'est trop kiffant. Poons, une fois que t'auras fini de dessiner Passepartout pour que Dractan se le tatoue sur la bite, tu pourras dessiner la petite tortue cosmonaute avec son petit pistolet. Franchement, je pense que ça mérite. Un coffre gratos. Impeccable, c'est quoi ça? Potion of Gun Friendship. On va pas le prendre parce que sinon on va perdre notre synergie, à moins que... Ça fait quoi? Ça fait quoi Potion of Gun Friendship? C'est juste un essai? C'est juste un truc? Temporarily increases combat ability. Ouais, on s'en fout la race, on va regarder ça. En tout cas, on a récupéré une clé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir prendre le gros coffre rouge qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. J'aime bien le lore LMF. Ah, une selkie. Ok, c'est cool. Donc on va pouvoir, je pense, trouver un nouveau NPC. Ou alors retrouver, je pense, le NPC à qui on a pété le casque tout à l'heure. Et ça va, Scad, ou quoi? Screen là que je puisse me souvenir. Quelqu'un... Attends, je vais faire un petit screen de toute façon parce que... Ça marche plus? J'arrive pas à faire de screen. Ah non, mais je crois que j'ai enlevé les notifications de screen. Mais je pense que j'ai pris un petit screen. Oh, elle est adorable, mec. Et bah écoute, regarde, on a plein d'armes qui nous servent pas. On va lui filer ça. Et on va lui filer... celui-là. Non, celui-là même. Little Bomber, voilà. Allez, Kétaras, vas-y, file-moi un bon flingue, file-moi un truc stylé, là. Makarov. The People's Gun. Ouais, non, c'est de la merde, file-moi un truc mieux, là. Ah, il a plus envie. Bon, bah, écoute, tant pis, on va se démerder avec un Makarov, hein. Non, je veux bien d'accord que c'est cool, IRL, un Makarov, mais je suis désolé, dans Gungeon, c'est de la merde. Voilà, j'y peux rien, hein, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Putain, moi et la petite tortue, on déboîte, hein. Ouf, ouais, là je suis désolé, il y avait beaucoup trop de bordel. Il a fallu que je claque une blanque parce que... Comment est votre blanquette? Voilà.
Reste tranquille, faut pas se précipiter. Dans Enter the Gungeon, si tu te précipites pas, si t'essayes pas d'avoir des résultats plus rapidement que tu dois les avoir de toute façon, normalement tout va bien se passer. Il faut juste rester tranquille. Et surtout se concentrer. Rester dans la constatation, Vassili Zaitsev. Tire, Vassili, tire! Tire, Vassili! Voilà, regarde, on va trouver un autre coffre ici normalement. Pas du tout. Pas du tout, les lapins. Les lapins, c'est gentil. Voilà, vos gueules tous. Vous allez tous vous tagueuler à un niveau cosmique. Ah, j'ai déjà plus de munitions pour ça. C'est pas grave, j'ai récupéré une blanque. Le Makarov est pas si bien que ça, mais ça reste un gros symbole soviète. Ouais, voilà. La mienne soviétique, quoi, comme la Lada. Ok, le boss est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à libérer? Cette map est gigantesque. On va aller récupérer l'arme dès maintenant là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est le flingue de Blade Runner. Deckard. Il est pas mal en plus, je crois. Donc du coup, on va pouvoir le faire péter un peu. C'est quoi au-dessus du rouge? C'est quoi au-dessus du rouge? Je vois pas. Ah, au-dessus du rouge, oui, c'est noir. Je crois, au-dessus du rouge c'est noir et au-dessus du noir c'est arc-en-ciel. Mais je crois que arc-en-ciel ça marche un peu différemment, genre ça te donne des équipements ou je sais plus quoi, enfin non. Je sais plus comment ça marche, mais en gros le meilleur, oui, c'est noir et arc-en-ciel en fait. Et je reste un peu tranquille. J'ai utilisé le Deckard Gun ici, mais j'ai l'impression qu'il est très puissant, donc je veux pas utiliser tout maintenant. La Winchester elle est pas géniale, hein. Elle a surtout pas de portée. Et bah écoute, on va utiliser le Makarov, c'est pas grave hein. Oh là là là, je galère. Il fait chier l'autre là. Allez, petite tortue. Tiens pour moi, tue-le. Voilà. L'ennemi d'état là. Ah, nice. Ok. Donc on va aller chez le marchand. On va pouvoir. Est-ce que déjà il y a un Gunmuncher ou un truc comme ça? Non. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est ça. On va pouvoir libérer José. Voilà. Donc on va la libérer lui. Mais c'est nous qui l'avons foutu là. Donc c'est un peu dégueulasse. La Delilu, on pourrait prendre la Delilu, ce serait pas mal. Le eye patch, je sais plus ce qu'il fait. Il y a un petit chat en haut, je l'avais pas vu. Il est littéralement fait en 4 pixels. Qu'est-ce que je viens pouvoir prendre? J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Il y a des munitions ou pas? J'ai pas vu. Ouais, il y a des munitions. Ce qu'on va faire, on va prendre des munitions du shock rifle. Voilà. La Delilu, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de la prendre. Ça mène à rien, ça mène à rien de toute façon ça. Non, il faut forcément des wax wings pour passer ou un autre truc. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on va aller se taper le boss dès maintenant. On va essayer de dépenser un peu ce qu'on a en thune et se taper le boss. C'est combien? C'est 30, 135 light patch. J'aurais pas dû le prendre. Et bah écoute, clé et ça, et puis on va y aller hein. Donde esta el bossismo? Il est en bas ou il est en dessus? Je me souviens plus. Je te souviens plus, tabarnak. C'est quoi? On va aussi chercher. Ah merde, il reste une salle là-bas. Oui, parce que attends, j'ai ouvert qu'un coffre là, je crois. On va voir si on voit pas le Brick of Cash. Si jamais vous voyez le Brick of Cash, trouver un passage. Ah voilà, passage secret, impeccable, impeccable, impeccable. C'est quoi ça? Rolling Eye, back at you, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Rolling through bullets rebounds them towards. Ouh! Quand on dodge dans les balles, ça les renvoie au mec qui les a tirés. Ça par contre, ça va être vénère ça. Ça va être complètement vénère. Et hop, on passe par là. Regarde, cœur en rab, blanc en rab. Ouh, le plague pistol qui est très très bon. Et une clé en rab, la vache. Le Brick of Cash, c'est vraiment quelque chose qu'il faut choper, j'ai l'impression. Hein. Allez, c'est parti. On va prendre le Particulator. Et en plus, sur eux, là... Quoi? Ah, d'accord. Ok. Donc, on va affronter une porte. Très bien. J'avais jamais encore vu... une porte mimique. Mais écoute, ça arrive. Il y a des mimiques de tout dans le jeu. Hein, donc. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça arrive forcément. Ça arrive. Hein, de temps en temps. Ah merde. Voilà, on reste concentré. On reste concentré. On se laisse pas avoir. Oh là là là. D'accord, j'ai l'impression qu'en plus, il. Oh là là. Il concentre tous les. Tous les quirks des autres boss. La vache, je l'avais jamais vu, mec. Je sais pas si c'est une chance de spawn ou s'il a une chance de spawner uniquement à la fin de la quatrième map. Mais c'est ouf.
Cyrissa, dans un stream, j'avais dit qu'il y avait une porte mimique. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, je me souviens pas. Je me souvenais pas, je veux dire. Ça, le Alien Engine, c'est de la grosse, grosse merde. Qu'est-ce que... J'ai dit, il y avait déjà eu la porte. Ah. Eh bah peut-être, mais je me souvenais pas. L'Alien Engine, c'est de la grosse merde et j'ai jamais compris comment ça marchait. Regarde. Ça fait juste que tu peux à moitié drift. Et je sais pas. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas d'autre en fait ce que ça fait comme arme. Ça fait des dégâts mais ça a l'air bidon. Enfin, je sais pas comment ça marche. On dirait moi hier sur R2. Il y a un peu de recul. Un tout petit peu de recul mais... Allez, on va reprendre le Raygun. Le Ronald Raygun. Je crois qu'en plus, tu peux avoir une synergie avec le Alien Rifle, qui Alien Weapon, ou Rifle, je sais même plus. Qui pour le coup fait vraiment des dégâts, mais pour l'instant c'est juste de la merde. Allez, Forge, là par contre. Là mon gars, on va pas se la jouer, je te le dis direct. Et il va falloir que je me concentre un maximum. Que j'analyse tout ce qu'il y a sur le terrain. Et que je réagisse avec un réflexe qui dépasse l'entendement. Ok, doucement, doucement, tout doucement. Doucely, doucely, ça va, tant que j'ai petite tortue avec moi, on est tranquille. Oh putain, évidemment. Oh là là, c'est la grosse merde. Évidemment, il me file deux conneries comme ça. Oh là là, la misère. C'est toi. C'est quoi ça? Ok. La blanque, oui, yes. Parfait, bon ça va. On a utilisé une blanque, mais on a eu un remboursement tout de suite après. J'ai perdu qu'un bouclier et un point de vie, je crois. Toi, tu reviens, par contre. Toi, tu reviens. Fils de pute. Voilà. Y'a lâché quoi? Des munitions pour tout le monde? Allez, je prends. Voilà, prends les dégâts. Réfléchis pas. Oh la vache. Le jeu devient vraiment substantiellement plus dur dès qu'on arrive à la forge. Mais le drop, il est vraiment, vraiment ouf. De la map 4 à la map 5, c'est un truc de malade, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. Il y a vraiment un manque terrible de gradualité, quoi. Ok. Alors. Eux, ils sont à deux, c'est encore pire que d'habitude. On se concentre. Ah, fuck, évidemment, quand je dis on se concentre, je m'en prends une, quoi. Faut que j'arrête de dire ça, en fait. Je crois tout simplement la clé du bonheur, c'est de pas essayer de faire des bons résultats, tu vois. C'est-à-dire, si tu pars du principe que tu vas tout ruiner, tu peux pas avoir de mauvaise surprise de la part de la vie. Ah ah. Eh oui, il y en a là-dedans. On va prendre les munitions. Il y aurait pas de la Break of Cash qui m'indiquerait quelque chose, là, par hasard. Non, ok. Vous me dites si vous la voyez, hein. Comment ça se fait qu'ils mangent des roulettes russes comme ça? Parce qu'ils sont pas sub. Et les non-sub peuvent mourir de la roulette russe. Ah, donc voilà. Donc là, ici, ça va être la merde. Par exemple, ça va se transformer littéralement en tout. Non, 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 la clé. Oh, merde. Oh là 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 là, putain. Je vais claquer, hein. Je vais claquer, mec. Non, mais c'est possible. I'm going to clacar, hein. Voy a clacar, comme disent les Espagnols. Oh là là, la bordel de merde. Ouh, j'ai plus qu'une vie. Je pense que c'est fini. Je pense que le run est fini là. Honnêtement, je pense que ça va se finir là. À moins que là, je tombe sur un truc qui me remplisse tous mes PV d'un coup et que les mobs soient gentils. Là, je focus, mais oh, c'est dur aussi de focus. Oh putain, il y a la mort en plus. Faut finir tout le monde, je crois, pour que la mort disparaisse, comme IRL. Voilà, on se casse vite. Voilà. Ok, doucement, on reste à couvert. Voilà, lui il est bon. Au-dessus, ça va pas prendre beaucoup plus de temps. Crève ta mère, voilà. On est bien, oula. Ces petites salles comme ça, là, genre tu relâches ton attention, et c'est là que tu prends les dégâts aussi. Voilà, faut rien lâcher, là c'est... Voilà, là, non. Doucement, doucely. Ok. Yeah, c'est the run to end all runs. J'espère qu'en dessous c'est une salle des coffres. Yes. Ok. Un truc qui rampe toute la vie. Un truc.
Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est déjà de la chance incommensurable de, de récupérer ça, franchement. Franchement, j'ai beaucoup de bol. Ah, ok, bah un boss sur la gueule. Okay, bah je retire tout ce que j'ai dit juste à présent. Un boss maintenant, ça peut être la fin du run aussi. Il est pas trop chiant lui, mais ça reste un boss quoi, donc écoute, tu peux prendre des dégâts quoi. Allez, petite tortue. J'ai confiance en toi, petite tortue. Heureusement qu'il y a des coins où je peux me foutre à couvert, putain. Ow. J'ai pas vu, c'est passé à travers le truc ou quoi? Parce que j'étais en train de lire le chat, j'ai pas vu... Prends tout dans ta gueule, voilà. Ouh. Ok, ok, ok. Ouh, 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 de la vie. Ouh, ouh. T'assistes à une grosse Kefelt. Ouh. Et un scorpion. Le clobé. Ça synergise avec quoi? No hot job. D'accord, j'ai deux guns. Ah, sympa. Ah, sympa, mec. Ouh, ok. Je crois que elle, je peux lui filer des trucs. Ouais, ok. Pour tuer, pour avoir le gun qui tue le passé, il faut des éléments. Et est-ce que j'en ai un? Non, j'ai rien pour l'instant. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Void Marshall, Hot Lead, Ammo Key. Pour l'instant, c'est un peu de la merde. Okay, toi, tu crois en moi, ce qu'il y a dur, ça, c'est gentil. La grosse boule croit pas en moi, mais écoute. On va lui faire mentir, on va lui faire dire de la merde à cette grosse pute. Même si on a de la vie maintenant, il faut pas relâcher son attention surtout. Voilà, on se fait paniquer par le retour. Je vais reprendre mon zap gun là, que j'adore. Ok, il reste plus que lui. Ouvre la porte, ouvre-moi la porte qui a la clé. Ok, méga boss, est-ce qu'il manque des trucs à ouvrir? Oui, j'ai pas fini toutes les salles. I don't have the finish of the salus. Don Salus, d'ailleurs, il s'appelle dans... Je parle tout seul, écoute, je suis en train de réfléchir à des choses. Ah oui, ça, c'est super traître. C'est extrêmement traître. Ses bras tirent des munitions de part et d'autre à chaque fois qu'il le tire. C'est vraiment un gros coup de bâtard. Les trois quarts des fois où je meurs dans la forge, c'est à cause de ce fils de pute. Bon là ça va, il nous a pas fait trop fait chier parce qu'il y avait du couvert, mais quand il n'y a pas de couvert, c'est une catastrophe. Alors, lui il a quoi? Tu sais quoi? Heart Locket, je vais prendre ça. Book of Chest Anatomy, on s'en fout. Il y a pas ma Book of Cash qui a trouvé un truc? Ok. Je vais essayer de rester aussi concentré que je le suis maintenant. Pour l'instant ça réussit pas trop mal. Allez, petite tortue, vas-y, je crois en toi, petite tortue. I believe in you. I believe in quote. J'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave. On reste concentré. Je viens de charmer une balle sans faire exprès. Je sais pas comment c'est arrivé. Et la mort est partie. C'est la mort qui a assassiné Mathias, d'ailleurs. Je pense que tout le monde est au courant. Okay, eux vont pas trop faire chier parce qu'il y a des couverts partout exactement pareil. Allez, petite tortue, fonce. Fonce et défoncez, petite tortue. Je crois en toi. I believe in God. Je sais pas si vous savez d'où ça vient ça. I believe in God. C'est dans un album de Tenacious D. Et à la fin, je sais pas, ils partent un peu en couille et ils commencent à discuter. Et il y a Kyle Gass qui commence à répéter en boucle I believe in God. Et ça fait marrer Jack Black. Je sais pas pourquoi. I believe in God. J'adore Tenacious D, mec. Les derniers albums, je les connais un peu moins, mais les premiers, ceux où il y a Kielbasa et tout, je les connais vraiment par cœur. Même les skits, je connais les skits par cœur et tout, j'aime vraiment beaucoup ce groupe. Et leur film, The Peak of Destiny, j'aime vraiment énormément ce film aussi. Ouh, putain la vache. Heureusement que j'ai des œils de lynx. L'œil de taupe. Attends, je me gratte. Ah, ok. Ça sert à quoi le cœur qui tourne autour de toi, Ruru? Je crois qu'il y a une chance pour que... Bah déjà, ça arrête quelques balles, des fois. Quand les balles passent dessus, on vient de le voir. Ça arrête les balles et je crois que ça a des chances de me rendre des cœurs quand ça se fait toucher, il me semble, ou une connerie comme ça. En tout cas, je l'ai récupéré une fois... quand je l'ai récupéré, ça m'a filé des cœurs. Alors, je sais pas si c'est un bonus, en fait, le fait que ça arrête les balles, mais en tout cas, voilà. C'est juste un truc qui pivote autour de moi parce que je l'ai ramassé à un moment. Voilà, c'est tout. Kanbao. Alors, allons se balader vite fait. Dans les salles des coffres, voir s'il n'y a pas ma petite brick of cash qui se cache quelque part.
Non, là, y a rien. Au-dessus, là, que dalle. On la voit bien, je crois, la Book of Cash. Si jamais vous la voyez, vous criez, hein, parce que il me la faut, là. On va se refaire toutes les salles. Vite, pour être sûr de pas la louper. Guadeloupe, même. Normalement, il doit y avoir des salles secrètes, même dans le dernier niveau, hein. Si je me gourre pas. Attention, il faut que ce soit une salle qui ait de l'espace en dessous ou sur chaque côté pour pouvoir abriter du coup un petit couloir avec une salle. Est-ce qu'il y en a ici? 9. D'assist nicht à une secrète salle. Ici, non plus. Peut-être dans celle d'à côté là? Non plus, bah merde. Bon DS. Pas là. C'en est pas ça. Merde. En bas là peut-être. Peut-être en bas là. En bas là. En bas là. En bas là. Zouk la c'est le magic à Manouni. Non, y'a que dalle non plus, on est d'accord, y'a que dalle là. Hein. Vous avez rien vu, vous êtes aussi attentif que moi là, je vous vois, vous êtes tous concentrés là. Là y'a rien non plus. Je vois rien, bah ouais, non mais j'ai... Elle est où cette conne? Ça fait quoi? Ah bah je m'en fous, y'a personne là, donc on s'en bat les couilles. Donc cherche Ruiz en bonne voie. Ok, d'accord, ok. Là y'a rien. Je suis tellement concentré que je fais de l'huile. Ah, intéressant. Ici, queude. On va refaire un petit tour là-bas, mais j'ai l'impression que c'est foiré. Ça n'a rien fait. J'ai pété le coffre sans faire exprès. On va aller voir au-dessus encore. Parce que là, le moindre truc qui pourrait m'apporter de l'aide, il faut que je le prenne vraiment, quoi. Là, c'est effarant, quoi. Y a où je suis pas passé encore, là. Elle est où, l'autre marchande de pute, là? Y'avait pas une marchande, Ah non, elle est là, ok, elle est là. Je pense pas qu'il puisse y avoir de passage secret dans la salle avec la marchande. Mais tu sais quoi, on va lui prendre des trucs d'ailleurs. Hot lead, je crois que c'est pas mal, hot lead. Gunnight Greaves ou hot lead? Je sais pas les gars, qu'est-ce que je prends? Un truc qui permet, je pense, potentiellement d'enflammer un ennemi ou... ah mais je crois que ça sert à rien tant qu'on n'a pas tout le reste. Tu sais quoi, on va prendre Hot Lead. Si ça peut permettre de faire un peu plus de dégâts, franchement, je prends. On va continuer juste un peu à chercher la salle secrète parce que... Tiens, peut-être ici, peut-être en bas à droite, là. 9. Doudi doubi doudi babou. Doudi boudi doubi doudi. Oh. 9. Je vais faire juste vite fait un tour au-dessus, mais au pire, si on trouve pas, tant pis, quoi. Mais c'est con, tu vois. Est-ce qu'on passe à côté de pas mal, quand même, de ressources, quoi. Merde. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis. C'est con, soyez déçu, mais bon, écoute, c'est pas grave. On va essayer de ken le boss comme ça. On n'a pas beaucoup de vie, mais on va essayer de le ken comme ça avec le Particulator. Ça va être quoi? Ça va être le Dragon? Non? Si, c'est le dragon, ça, ouais, bah oui. Je me souviens même plus très bien comment il faut le niquer, le dragon, en fait, hein, maintenant que j'y pense. Allez, petite tortue. Aide-moi, petite tortue. Ça va pas être assez. Doucely. Là, faut rester au maximum concentré, là. Je vais regarder uniquement cet écran. Voilà, allez, continue poteau, il va me lancer une petite roquette, c'est pas grave. Hop, on dodge à travers. De toute façon, forcément, le boss est forcément faisable sans utiliser de blanc, hein. Sinon ce serait dégueulasse, vous êtes au courant. Hop. Voilà, le flingue fait pas mal de dégâts, il est un peu lent, mais c'est pas grave. Des fois, il y a des choses qui sont un peu lentes, qui sont adorables. Ha! Voilà, mange ta race. Ça arrive de chaque côté, c'est pas grave. Voilà. Ok. Il est pas mort, hein.
Il a encore des phases en rab, je crois. Voilà. Et donc ces phases en rab là sont beaucoup moins drôles que le reste. Merde. Bon, c'est du manic shooter sympathique quand même. Hein. Vous êtes au courant que là, pas forcément le truc le plus difficile du monde. Ok, continue. C'est bien, on lui a fait pas mal de dégâts là. On lui a fait pas mal de dégâts. S'il nous ressort ça, normalement, on devrait y aller plutôt facilement. C'est pas très très dur d'esquiver ça. En fait, il faut juste pas se laisser niquer par le timing, ni par celle qui pivote un petit peu. Voilà, il faut rester relativement patient. Je crois que ça sert à rien de lui tirer dessus d'ailleurs en même temps. Voilà, doucement, doucement... Doucement, et puis j'ai envie de dire c'est fini. J'ai envie de dire run accompli avec joie et volupté. Voilà. Beau gosse, bah merci beaucoup, ça c'est du master shooting. On lui éclate le crâne, on récupère ça, qu'il faut surtout pas oublier. L'obsidian shell casing. Et puis c'est bon, je crois qu'on a rien d'autre. Gun soul unlocked. Voilà. On peut applaudir Petite Tortue qui a tout fait, hein, et qui est là. La Petite Tortue est littéralement l'héroïne de ce niveau. Et bah du coup, on l'a paumée parce qu'elle est restée dans le futur, mais on lui souhaite une bonne vie. Allez, à plus, Petite Tortue. À toi, Petite Tortue. À toi. À la connue que tu as... Je sais pas. En vrai, j'aurais des bannes vu que j'aurais demandé. Ruru est fort, c'est quoi ton problème? Ah, donc du coup, on va se suicider dans le passé. C'est bon, la tortue, elle est retournée chez elle. Revoir sa famille. Pas rien péter, là. Et non. Allez. Enter the gungeon. Et... Bon, voilà. On a tué... Genre, je sais plus si on tue... Je crois qu'on tue notre passé. Et du coup, on tue notre passé. Du coup, on revient dans le passé du futur pour refaire le futur comme le passé, il est passé. La tortue qui carie. Non, mais complètement. Je la laisse un peu quand même. Hein. Je la sens pas cette run, mais hey mec, tu sais où la run elle a commencé à être bien? La run elle a littéralement flip quand j'ai trouvé le truc caché. Vraiment. La boule elle a pété un plomb. En vrai ouais, la run a complètement flip une fois que j'ai trouvé le passage secret. Avec les munitions, avec le flingue dedans, avec... vraiment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins on a récupéré un bout de la balle. De la balle qui peut te le passer, enfin du flingue qui peut te le passer. Dragonfire. Ok, on a trouvé un autre truc, Gun Soul. Bah voilà. Eh. Tranquille ou pas? Qu'est-ce que j'adore ce jeu moi aussi. Ce qui est dur, je suis d'accord avec toi. J'ai relancé un run sans faire exprès, je vais retourner quand même à la breach. Non, pas Quick Restart, retourne à la breach, voilà. Je vais retourner à la bridge pour voir un petit peu sur place qu'on a quand même débloqué. Tu sais qu'on va prendre ça au cas où. Voilà, donc du coup on a un bout de la balle qui peut tuer le passé. Normalement. Oui, on a un bout de la balle. Peut-être qu'il fallait donner le bout de la balle à la gonzesse dans l'armurerie. Ça c'est peut-être, oui. Peut-être que ça, par exemple, je l'ai pas fait. Ouais. Quel homme. On sent le gars quand même qui aime bien ruiner tout ce qu'il entreprend. Hein. Écoute, je pense que je veux m'arrêter là. Hein. On a réussi une run. Je pense que je peux arrêter de jouer Enter the Gungeon pour toujours. Histoire de terminer sur une note positive. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite soirée vous aura plu. Demain, je sais plus qui stream demain. Je crois que c'est Yadar, si je fais pas de conneries. Jeudi, ça va être Skadur qui va streamer avec un stream événement, mon gars, mais c'est que des anniversaires pendant une semaine, ça va être génial. Vendredi, ça va être moi et on va se faire un petit Vampire the Masquerade, je vous le rappelle, qui va être de très très bonne aloi. Et samedi, du coup, il y aura la deuxième soirée d'anniversaire de la Megaforge. Cette fois-ci, normalement, Adwim devrait être là.
Ouais, ça va être une semaine relativement chargée. Je pense que ça va être super stylé. Et voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite aussi une très très bonne nuit. Forcément, bien entendu. Une bonne nuit parce que bon, demain il faut quand même être de bonne humeur, de bonne forme, de bonne humeur. T'inquiète, on arrête cette connerie. Du coup, bah, à plus. Et puis, les redifs vont arriver dans pas longtemps. Il y a les redifs déjà de l'anniversaire hier soir. Donc, ça vous laisse quelque chose à mater si jamais on vous manque. Et voilà. Allez, ciao, les gars. Bisous.